Bon, salut à toutes les frères et les sœurs africaines. Nous allons prendre un peu de temps pour écouter cette très belle femme ivoirienne qui a décidé de recadrer notre gogole, la camerounaise. C'est pas, je ne l'ai jamais vue quelque part, je ne crois pas. Je ne savais même pas qu'on avait une influenceuse aussi de ces qualités de gogole là, qui a quand même pris le plaisir pour aller dans le pays des autres, pour dénoncer pour eux. Alors que chez nous, si on veut commencer à dénoncer, là, on ne connaît pas d'où on va commencer. Mais elle n'a jamais osé dénoncer quelque chose chez elle. Et j'ai entendu que elle a même autant de la visibilité. Mais les gens disent qu'elle n'a jamais... Parce que les gens comme ça, ils ne vont même pas aller sur les pages pour regarder ce qui se passe là-bas. Je veux pas aller là-bas. Je veux rester focus. Comme cette belle femme a dit, il faut toujours rester focus. Donc, les gens comme ça, je les invite. Les gens comme ça, c'est eux qui détruisent. Il ne faut pas que lui descende là, me touche. Vous pouvez même regarder sur la front, sur son front. Sur la, je ne sais pas si c'est la front. Her brain. Yeah. Her forehead. Vous pouvez regarder ce qui est là-bas. C'est la photo, donc c'est ça qui l'a poussé à faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire là. C'est lui de ça qui est dans son cerveau. Donc nous allons quand même écouter cette belle femme ivoirienne. Si elle avait la peau noire, très noire, avec les cheveux un peu courts là, c'est que vraiment, j'allais dire une belle femme naturelle. Parce que vous savez, lorsque vous durez longtemps en Europe, vous commencez à aimer ce qui est naturel. Vous ne voulez plus les chikimiki. Parce qu'il y a trop de chikimiki ici. Tous les blancs, non, on veut les choses naturelles. J'aime encore les femmes qui viennent de sortir du village là. On appelle ça donc, le poulet du village là. Les femmes qui sont secs là. Ah, j'aime ça. Ils viennent de sortir du village là. Et quand ils marchent, il y a un peu de la souhait qui sort ici là comme ça. Tcha, tcha, tcha. Ils sont noirs comme le charbon. J'aime déjà les femmes là. Bon, nous allons écouter notre sœur et après, je ne sais pas, on va un peu essayer de décortiquer ça. Ah, il a pris ce mot-là, Johnny Pacheco. Bon, on y va, c'est parti. Il y a une influenceuse camerounaise là, Mayol, elle est venue, elle a traité notre pays, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, et puis vous musclez. Vous musclez sur elle par rapport à quoi? Non, parce que moi, je ne sais pas. Vous savez, parfois, quand les gens veulent créer des histoires, il faut s'asseoir, il faut essayer d'analyser un peu le comportement de la personne et puis essayer de comprendre le pourquoi du comment. L'attitude que cette jeune fille a eue là, en fait, c'est rien d'autre que le complexe en fait, d'infériorité. Il n'y a que le complexe d'infériorité qui puisse motiver quelqu'un à venir dans un endroit, payer son billet d'avion, enfin, pardon, c'est pas elle qui a payé, c'est son pays, voilà. Ton pays t'envoie pour venir supporter, c'est-à-dire être concentré sur les gens de chez vous. Mais toi, en fait, tu te dis, non mais attends, ils nous ont trop vexés. Hein. Donc du coup, quand je vais venir, hein, je vais commencer à chercher en fait. Et puis voilà, je vais faire un poste et puis ça va faire bim. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont haineuses. Tous les Camerounais ne sont pas haineux. Parce que quand on voit certaines vidéos de ses propres frères Camerounais, les laver complètement, laver copieusement, on comprend en fait qu'il y a des Camerounais clairement qui sont réalistes, qui sont vrais et puis qui ne sont pas dans ce type de bassesse là. Donc du coup, moi je ne mets pas tout le monde dedans. Mais pour les personnes de son acabit comme elle, qui se lèvent, qui viennent dans un pays, dans un quartier, un parmi tant d'autres en fait, qui viennent dans le quartier des gens et qui se permettent en fait de chercher la petite bête, comme je dis, complexe d'infériorité pure et simple en fait. Parce que ce n'est pas logique. C'est pas logique. Tu vois, ma chérie, tu as perdu ton temps à chercher en fait le quartier le plus, je sais pas quoi, non goudronné. Non, franchement, moi je le dis, voilà. En tant qu'une jeune fille qui aime le développement et qui aime son pays et qui voudrait que toute l'Afrique en fait prenne la marche ou emprunte la marche du développement, sincèrement, faites une petite réunion, essayez de voir un comité de quartier pour voir comment est-ce que vous pourriez en fait faire l'effort d'atteindre un tant soit peu les 2-3 gratte-ciel que nous avons ici. D'abord, prenez, commencez sur la plus petite échelle et puis ensuite on verra. Vous voyez pas vos grands frères, vos Dangora influenceurs, quand ils commencent à parler du développement de chez vous, ça vous fait pas pleurer? Non. Vous savez, le truc c'est quoi? Voir ce qui est mauvais chez soi,
et accepter et dit que on a ça et puis on s'en fout, c'est faire preuve de méchanceté, c'est pas bien, d'accord? Donc quand vos grands frères, vos pionniers influenceurs là-bas se plaignent des infrastructures du pays, du développement, du retard en développement de votre pays, vous devez vous asseoir, prendre un mouchoir, faire un peu, hein, faire un peu semblant d'avoir mal et puis essayer de faire un effort pour travailler par rapport à ça. Mais vous ne dites rien. Et vous voulez vous comparer à qui? Non, non, attendez. La comparaison que vous voulez faire là, sincèrement, ça va vous emmener à quoi? Ça va vous emmener à quoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, les réalités sont là. Combien de fois vous allez vous vanter? Combien de fois vous allez vouloir retorquer? Combien de fois? Mais les réalités sont là. Si tu avais pris ce temps-là pour te concentrer et pour prier pour ton équipe, normalement, ton équipe n'en est pas fait match nul contre une équipe, en fait, qui comptait 10 joueurs, normalement. Mais tu as perdu le temps. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, restez concentré. Stay focus, les Anglais disent. Tu comprends anglais un peu, non? Parce que chez vous, là-bas, c'est bilingue. Tu comprends, non? Stay focus. D'accord, hein? Voilà. Donc, ce message-là, ce n'est pas pour tous les Camerounais. C'est pour les personnes comme Mayol, voilà, qui se comportent de façon, je ne sais pas. Ça dit que vous arrivez quelque part, on vous donne la main, vous voulez prendre le bras. Vous ne pouvez pas faire comme vos autres frères Camerounais, là, qui sont tellement bien, tellement gentils. C'est-à-dire qu'on les accueille bien, et puis eux, en retour, en fait, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement vrais, vous ne pouvez pas faire pareil. Hein. C'est quoi? Hormis ça, j'ai checké un peu ton profil, tu vas dans des endroits. Tu te sens importante, n'est-ce pas? Parce que les endroits où tu vas, là, ce sont des endroits qui sont chics, ce sont des endroits qui sont bien. Profite juste, et puis tais-toi. Parce que même ton billet, tu n'as pas osé payer, en fait. C'est la fédération de chevaux qui a payé. Donc, normalement, quand tu viens au gratuit, normalement, tu dois avoir le comportement d'un repéro. Tu te tais. Parce que je ne pense pas que votre président de fédération t'ait envoyé en mission. Parce que lui-même, il a épousé quelqu'un de chez nous. D'accord, hein? Donc, du coup, quand il t'envoie, c'est pour te concentrer à motiver les lions indomptables qui ont été domptés par 10 joueurs. Il faut arrêter ça. On est venu pour la CAN, c'est pour s'amuser. Vous avez vu, les gens ont voulu signer une pétition que qu'on va vous poursuivre, qu'on va vous faire comme si. Vous avez vu qu'en vrai, on n'a rien fait. Au contraire même, on vous a montré en fait combien de fois on vous aime. Et on aime toute l'Afrique et on aime tout le monde entier. Je vous ai dit que dans les gènes des Ivoiriens, c'est l'hospitalité. Aujourd'hui, quand on regarde les infrastructures de la Côte d'Ivoire, on ne peut que se sentir très fier. Je dis, lorsqu'on regarde les infrastructures de la Côte d'Ivoire, on ne peut que se sentir très fier. Hein? Nous, les Camerounais aussi, nous voulons aussi avoir cette fierté-là. Mais malheureusement, lorsque nous voyons nos influenceurs Dongoro, comme tu l'as dit, Dongoro, mais j'aimerais te corriger dans ces mots-là, hein? Dans ces phrases-là. Les Dongoro ne se sont pas... Est-ce que moi aussi je suis Dongoro? Parce que moi aussi je suis sur la toile, je dénonce. Bon, bien sûr que nous avons des grands influenceurs qui sont vraiment des Dongoro. Je pense que Dongoro, là, ça veut aussi dire influenceur Bwakata. Qui passe le temps à recevoir, à parler des choses à dormir de vous, des choses qui n'ont aucun sens. Qui passe le temps à jouer, à être des médiocres sur la toile, les menteurs, des imposteurs, des sorciers, des jaloux. Qui passe le temps à s'aimer la désordre, la haine, la division. Ce sont ceux-là, les influenceurs Dongoro. Pour ne pas dire Bwakata. Mais, et tu l'as bien souligné que ce ne sont pas tous les Camerounais, tu t'adresses pas tous les Camerounais, mais quand tu dis les influenceurs, il y a aussi, nous avons aussi les influenceurs qui dénoncent, qui sont aussi dans le bon sens. Qui ne sont pas mauvaises comme ces gens-là. Et il y a une autre chose que vous ajoutez là-dessus. Sachez que ces femmes-là, lorsque vous regardez dans la vidéo, sa photo-là, il y a une image là sur sa tête, sur son forehead, sur sa figure. Et pourquoi il cherche le mot, il ne trouve pas. Ces photos-là, c'est lui, c'est la sardine. Ça, c'est la marque déposée du père Sardina, qui nous règne depuis 41 ans. Ça, c'est sa marque déposée. Et c'est lui, lui de ces sardines-là, c'est ça qui est dans sa tête. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu dénigres partout, mais chez toi, là,
quand tu tournes, tu regardes chez toi comme ça, les poussières, quand ils voient les poussières là, apparemment, c'est bling bling. C'est bling bling qu'elles voient. Quand elles marchent, elles voient les poubelles là, pour elles, ce sont les bling bling. Pour elles, ce sont les bling bling qu'elles voient. Même les routes PC comme les trous de rats là, qui sont partout aussi, partout dans la capitale économique du Cameroun là. Pour elles là, ce n'est pas ce qu'elles voient. Elles voient une autre chose. C'est une autre chose qu'elles voient. Donc c'est chez vous là qu'elle a vu la poussière. Chez elle, elle n'a pas de poussière. C'est comme ça que l'huile de sardine fonctionne. C'est comme ça que l'huile de sardine fonctionne, malheureusement. Quand on vous parle du continent, on vous parle de la marque déposée, de son excellence. C'est l'une de ces marques déposées. C'est ça qui fonctionne comme ça dans elle. Hmm? C'est ça qui fonctionne comme ça dans elle. Voilà une femme. Elle a près de 1 million d'abonnés, je pense. Je ne vais pas faire sa publicité ici parce qu'elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Elle ne compte pas parmi les autres humains, même. Elle ne compte pas. Bah, tu as près de 1 million d'abonnés et tu n'as jamais osé. Tu n'as jamais osé dénoncer quelque chose dans ton pays. Alors qu'il n'y a pas un pays au monde qu'on doit dénoncer plus que le Cameroun. Parbleu, là, il n'y a pas un pays au monde qu'on doit dénoncer plus que le Cameroun. Vous allez voir les Stifa, ils vont se battre avec ce gouvernement-là. Bien sûr qu'ils sont dans ce gouvernement, mais de temps en temps, de temps en temps, ça les énerve jusqu'à ils sont obligés de dénoncer. De temps en temps, ça les énerve jusqu'à ils sont obligés de dénoncer. Donc, ça fait que cette femme-là, c'est l'huile de sardine qui la dérange. C'est l'huile de sardine. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle. Les gens comme ça ne comptent pas pour moi. Faites tout ce que vous voulez avec elle. Pour moi, elle n'est pas un être humain. Si tu as déjà près de 1 million d'abonnés et tu n'oses pas dénoncer, alors que dans ton pays, il y a la guerre. Il y a le gouvernement dans le pays est rentré en arrière depuis 41 ans. Et tu ne peux rien trouver là-dedans pour dénoncer. C'est pour les Ivoiriens que tu peux avoir. Que tu es parti constater pour dénoncer. Il t'a dit que les Ivoiriens ne dénoncent pas. Les Ivoiriens ne dénoncent pas quand ça ne marche pas. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Hein.